Et salut les amis, c'est Banana Skill. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons jouer à un jeu nommé Stay Close, qui se traduit en français par Rester proche. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça m'aiderait énormément. Sur ce les amis, bon visionnage. Donc je viens d'arriver sur le jeu, nous allons tout de suite lancer une nouvelle partie. Donc, nouvelle partie, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est un jeu d'horreur. Et j'ai un peu regardé c'était sur quoi, c'est sur des mannequins. Moi, faut savoir, j'ai vraiment peur des mannequins. Tout ce qui est poupée mannequin, ça me fait flipper. Donc c'est pour ça que j'ai voulu y jouer. Je me suis dit, ça c'est un jeu qui va me faire flipper. Ok, on a une lampe torche. Ça va plutôt nous être utile, je pense. Parce que tout le jeu dans le noir, je pense que ça risque de faire flipper. J'espère que vous êtes en sécurité ici, mon jouet. Tu as de la chance, je t'ai trouvé en premier. Les résidents ont été si impitoyables. Qu'est-ce que je dis? Bienvenue dans notre ville. Je suis tellement impatient de te rencontrer. S'il vous plaît, venez me trouver. Je suis sûr que j'ai beaucoup de questions. Méfiez-vous de la brume. Votre humble serviteur, Cyrus. Ok les amis, donc on a un informateur qui vient de nous donner des détails. Et il nous a dit de nous méfier de la brume. Donc je sais pas ce qu'il y a dans la brume, mais je suis pas très rassuré. Ok, bah là déjà il y a de la brume. Ouais, on va pas y aller. Il y a des bruits chelous qui en sortent. Ok, je sais pas du tout où est-ce qu'il faut que j'aille. Je vais me balader un peu dans la ville. Mais il y a des bâtiments avec de la brume. Et on nous a dit de pas nous approcher de la brume. Donc on va pas y aller. Par exemple là, la maison là, je pense qu'il faut pas rentrer. Et c'est risqué je pense. Enfin un peu vite quand même hein. Il nous a dit de le trouver. Carrément, il y a des tanks. Il y a carrément des tanks. Un peu flippant quand même cette ambiance. Enfin ici c'est Ah, il y a quelqu'un. Regardez, on va rentrer. Non, il y a sûrement une autre entrée. Ah tiens. Je m'appelle Valentin, j'aime le Kiri, et quand je pète sous l'eau, ça fait des bulles. Ah. Ah voilà. Bref, on passe. Ah ouais, il y a beaucoup de dialogue, hein. Pourquoi il monte? Il me demande de... Ok les amis, j'ai fini de parler avec le petit bonhomme qui est là. Le petit monsieur. Je ne sais toujours rien d'où est-ce qu'il faut que j'aille. Mais en tout cas, ça m'a l'air assez vaste et grand. Donc je pense qu'il y a pas mal de trucs à explorer. Il y a un parc. Pas envie d'y aller. Oh, une ruelle très sombre et angoissante. Oula, j'entends du vent là. Ah, donc, ok, on revient ici. Y a pas des bâtiments ouverts. Après, est-ce qu'ils nous disent de pas aller dans la brume? Mais est-ce qu'il faut quand même y aller? It's a not wise to go further. Ouais, ça me fait un peu flipper. Hein. Je sais pas si on y va ou pas. En plus, je suis ralenti. Ok, il fallait quand même y aller. Tiens, il y a le logo Epic Games là sur le mur. Marrant ça comme référence. Ok, donc il fallait quand même y aller dans la brume. Après je pense que ça doit être dangereux quand même. J'aurais dû choisir la maison, c'était quand même un peu moins flippant que le métro. Là les amis, je suis concentré, j'ai trop peur de me faire surprendre. Pour l'instant on a croisé aucune créature. On va prendre les escaliers, plus sûr. C'est plus sûr pour moi. Quoi ce bruit? Continue à avancer doucement, continue à m'enfoncer. Heureusement qu'on m'avait dit de surtout pas aller dans les zones où il y a de la brume. En plus, la musique a fait flipper, elle est stressante, je trouve. Mais du suspense. Non, je crois qu'il va falloir traverser les rails, les amis. Puis il y a de la brume. Ou soit, ah non, ok, c'est par là. Je dis des bêtises, c'est par là. Il y a des bruits un peu particuliers là en dessous. Ouais. Ouais. C'est pas ouf. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? Je me pose très franchement la question. Bon, on va y aller quand même. Bon allez, c'est parti. Je crois pas que c'est la meilleure idée que j'ai eue. Ensuite par là. Va s'abaisser. Ok, on peut courir mais on peut pas s'abaisser. Il y a vraiment la trouille là. On a encore croisé aucun mannequin. Donc je suis descendu tout en bas pour ensuite remonter tout en haut. Ah ok, c'était pour passer de l'autre côté. Oh. Quand je vous dis que la musique a fait vraiment des sursauts. Attendez, ça se trouve il y a rien de l'autre côté, ok. Je me suis dit ça se trouve de l'autre côté ils ont mis un truc le temps qu'on bouge. Pour nous faire flipper. Mais non, il y avait rien. Là, ça fait un peu flipper quand même. Surtout après le cri que j'ai entendu là. J'aime pas les grands endroits comme ça. Parce que du coup, on peut pas regarder super loin. C'est assez limité. Comme toujours, on prend les escaliers. Ah, qu'est-ce qu'il fait là lui? Hurry up. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Merci de ton intervention. Il m'a été inutile. Par où est-ce qu'il faut qu'on passe? On va pas aller sur les rails. On n'est pas stupide non plus. Bon, bah, je vois pas d'autre solution. Arrêtez la musique là, c'est. Ah, stressant.
peut... De toute façon, on peut pas aller sur les rails, donc ça va vite être réglé. Du coup, je sais pas par où passer. Si on peut pas passer sur les rails et qu'on peut pas passer nulle part, ah, où est-ce qu'il faut qu'on passe? Ok, ça j'avais pas vu la première fois, les amis. Mais il y a des sortes de créatures un peu cheloues. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si on tourne la tête, il bouge ou pas. Non. Oh bah je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est chelou. Bah ça me donne pas envie d'aller les voir avant. Ok les amis, je crois savoir ce qu'il faut faire. En fait, il faut tout simplement ouvrir les portes qui sont là. Mais en fait, je crois qu'il y a un bug. Et bah je peux tout simplement pas ouvrir les portes. Et le mec là, qui, quand on lui parle, il nous dit dépêchez-vous. Et il est juste devant les portes. Donc je pense, je suppose que c'est par là qu'il faut qu'on y aille. Mais comme vous voyez, quand j'appuie sur E pour interagir avec les portes, il ne se passe rien. Donc j'en déduis que il y a un bug quand même. Parce que là on a aucun autre moyen d'aller nulle part. Il n'y a que ces portes là, je vois que cette solution là. Et ils veulent pas s'ouvrir. Donc bah c'est un peu baisé. Dites moi en commentaire si si vous avez le jeu, si c'est juste moi qui fais de la merde ou s'il y a vraiment un bug. Là, je sais pas quoi faire. Les amis, nous arrivons déjà à la fin de cette vidéo sur le jeu nommé Stay Close. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Banana Skill. À la prochaine.